Alors, les 14 derniers présidents de la disque sonnent l'alarme, Monsieur le Président. La musique québécoise est en danger sans encadrement des plateformes de lecture en continu comme Spotify ou Apple Music. Ils demandent au fédéral de forcer ces entreprises à contribuer financièrement à notre culture, à rémunérer les créateurs adéquatement et à mettre en valeur le contenu québécois. Finalement, ce sont à peu près les mêmes demandes qu'avaient les milieux du cinéma et de la TV vis-à-vis de Netflix. Il faut en prendre acte. C'est l'ensemble de nos créateurs qui souffrent des transformations liées au numérique et c'est l'ensemble de notre culture qui disparaît en ligne. Mais la solution ne passe surtout pas, Monsieur le Président, par des ententes à la pièce bâclée, comme le gouvernement a signé avec Netflix. Ça passe par une réforme globale des lois régissant le commerce électronique pour contraindre les entreprises à respecter les lois en vigueur ici. La loi doit s'appliquer à tout le monde. Un point, c'est tout. Bravo!